J'aime bien les petites, les petits likes comme ça qui mangent pas de pain. Et bien nous voici de retour pour l'épisode 6. Qui sera probablement le dernier de cette série. C'est ça. Peu importe l'issue, sera fatale. Là ça commence à être chaud, on en est à plus d'une heure et demie sur cette mission apparemment. Est-ce qu'on ferait pas un petit résumé de tout ce qui s'est passé? Alors là... Qui s'est passé? Toutes les merdes qui sont arrivées, la première fois j'ai renversé les caisses. Mission de base quand même. On doit partir du garage pour aller chercher des pièces de forage et qu'on doit amener à un autre point qui est encore plus loin. Voilà, qu'on doit ramener à... Tout à l'ouest. La première question pour 200 euros. Ouais, c'est là, voilà. Et donc là, on doit amener tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier run. On a récupéré les 4 pièces. Donc 2 sur le camion et 2 dans la remorque. Sauf que le camion s'est renversé. On a pris un autre camion pour... J'ai pris mon scoot pour le pick-up, là, pour essayer de remettre tout ce bazar droit. Exactement. Ça n'a pas fonctionné. Non. D'abord, on a restart. On a restart pour aller chercher la remorque et l'amener, c'est ça ce qui s'est passé? Alors en fait, j'avais juste... Ah, attends, je sais plus. Si, on a restart pour amener la remorque, passer le chemin, non? Ouais, oui, on c'est a ça. Continué tout seul, non? Non, non, restart. Enfin, en vrai, je commence à fatiguer, je sais plus, là, ce qu'on a branlé. Enfin bref, on a fait de la merde. Remorque à mi-chemin. Et là, on doit aller chercher les deux premières caisses qu'on a perdues de moult fois. La remorque, elle est bonne art depuis le début. Ouais. Elle est sécure, et c'est juste les deux caisses de merde qu'on n'arrive pas à aller chercher. Aller chercher parce que certaines personnes ont été sur... Ah bon, voilà. Oui, parce que donc on joue toujours sur le même écran. Enfin, on joue pas sur le même écran, sur la même machine tous les deux avec deux manettes. Donc moi, je peux contrôler un petit peu la caméra du camion et appuyer sur A de temps en temps. Ouais. Attention. Non, ce serait bête de fail maintenant quand même. Non, tu vas pas fail. T'es énorme. Ok, bon, je vais jouer un peu. Et on a fait le million. On a fait le million. Ça, c'est quand même le point positif de ces 1 million d'heures de vidéos. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu que dans le jeu ça se passait tellement mal, j'ai même pas été vraiment refait d'avoir 1 million. Puis ça m'a paru assez simple, tu vois. Pas ce jeu-là, vache, le million. Bon, allez, c'est parti sur le Jean-Pierre Foucault. Ils ont dit, mais là, on est poussette les meubles et le plus beau. Putain, mais franchement, j'ai l'impression que là, tout est chaud et j'arrive plus à rien. Quoi. Deuxième question pour 300 euros. Et je suis un connard. Mais putain, je suis un connard. Pourquoi on se fait chier avec la grue là? Ça sert à rien ça. Cloche. Ah oui, du coup. Sonner les. Attends, réprimander fortement quelqu'un, c'est lui sonner les. Sonner les cloches, Enfin, personne ne dit ça. Hein. Oui, vraiment, Jean-Pierre, faut sortir de temps en temps. Non, mais Jean-Pierre, il est confiné depuis longtemps. Il sait plus parler. Il est confiné depuis le Moyen-Âge. Ah, j'hésite quand même. Je me tape vraiment ce chemin au retour ou je tente encore la. L'Everest. La montée. Elle est dure la montée. Souviens-toi du moment là où t'es resté coincé. Après, tu le prendras dans l'autre sens, donc en descente. Dans les deux cas, c'est de la merde. Ouais, c'est dur. Qu'est-ce qu'un berlingot? Un bonbon. Un bonbon. Clac-clac. Putain, t'as chargé là. Clac-clac. Clac-clac, Bayonetta. Maintenant, t'as la ref. Cette question. On peut brancher un appareil. Continue. Continue, effectivement. Perpétuel, éternel, incessant. Alors, la décision, c'est tout droit. Ouais. Allez. Après, il y a quand même des risques assez conséquents de se renverser. T'as failli en prendre un. Hein. Ah, je sais plus quelle est la bonne décision à prendre, les gars. Nous arrivons au premier palier, puisque cette question vaut. Pas que j'aille trop vite, je pense. Hein. En 1993, Tom Cruise joue le rôle d'avocat dans le film intitulé La. Alors là, comme ça, je l'ai pas. La firme, je suppose. Ouais, je suppose aussi, mais je connais pas ce film. C'est l'avocat. Il joue l'avocat de José Bové. La ferme des OGM. Une bonne réponse, vous garantirez 1500 euros. Bien joué. Pardon. Vous avez atteint le premier. Bon, faut bien que je garde mes roues. Comme parallèle. Ça. Le planter le bâton. Pas faire trop d'écart.
putain, mais la violence, la difficulté du truc. Cette somme vous appartient. Attends, donc il y a toujours mes traces de tout à l'heure, il y a toujours mes traces de tout à l'heure, les gars. Sur un navire, le poste de Mozart. Là, c'est ici que c'est chaud, là. Pacha. Bosco. Matelot. Bah, matelot, les gars. Ouais, c'est matelot. Allez, on y allant doucement, c'est cool. Bien que tu restes dans tes traces, je pense. Mmh. Putain, c'est violent quand même. Et ouais, là, c'est là, c'est là, là, ça va être dur là. Ouais. Alors là, tu passes à droite. Vous jouiez pour quoi? Vas-y, valide la question. Hein, bien, oui, c'est. Je vais vraiment au point chausson pas chassé. Putain. Non, putain, ah, ah, c'est horrible. Ouais, et puis alors là, chausson chaussette. Hein. Bon, bah alors là. 6 000 euros. Aïe, 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 aïe. Les caisses, on peut oublier. Chute mais du putain, plotin. Mais y'en a marre. Bon, attends. Déjà, cette putain de grue là, ça doit m'emmerder plus qu'autre chose. C'est ça qui est, ça augmente vachement ton poids. Hein. T'as vu ce alors, que ça a changé ou pas là? Ah ouais, c'est monstrueux. Le rapport poids, il est... Je suis passé à S, là, ouais. Et j'étais à A tout à l'heure. Bah, tu vas voir. Hein. Je pense que tu vas voir la diff. Hein. Aïe, ça nous emmerde à mort, ça. Putain. Oh, c'est long. Alors... Une orange remplie d'un sorbet est une orange givrée, c'est ça, orange givrée. Une orange remplie d'un sorbet, ouais, c'est ça. Très bon, ça, d'ailleurs. J'adore ça aussi. Il s'agit de la bonne réponse, vous gagnez 800 euros. Ouais, nice. Avec le citron aussi, c'est pas mal. Ouais. Citron givré. Les deux marchent très bien. La seule bonne réponse du premier palier qui vous garantit de repartir avec 1500 euros. Voici la question. Au secours. Ah la vache. Et là, ça va faire un camionneur givré, puisque à force de tomber dans la neige comme ça, là. Ouais. Cuisine. Ah bah, givré, je suis en train de devenir, je te cache pas. Musique. Oula. La vielle. La vielle est utilisée. Non, c'est la vielle. C'est la vielle. La vielle, ça. Pourquoi ça me dit quelque chose? Musique, ça te dit rien? C'est vraiment truc que je perds des yeux, mais. C'est toi le Zico, ça, mais. Pff, non, moi je. Alors, musique, ouais, j'aurais dit ça, tu vois, comme ça, parce que ébénisterie, je pense pas. Cuisine, non. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé jardinage. Aucun de vos trois jokers. Ouais, je dirais. Attends, ah bah vous, je dirais musique, quoi. Putain. Pas taper, les gars. La paume de Zuman. On demande pardon. On demande pardon. Bonne réponse, vous remportez. On va se renseigner, calmez-vous. C'est la bonne réponse. Oui ouais. Non mais attends, ouais, franchement, on se fout de notre gueule là. À quel moment c'est une question avant 1500 alors qu'on avait bonne mine et... Et la boîte de dialogue. Et la boîte de dialogue tout à l'heure là, what the fuck. Putain, quel jeu mal foutu quoi. Cette bonne réponse. Ah oui, d'accord. Maintenant 1500 euros. Oh la vache. Mais attends, ouais, c'est un, voilà, instrument... Un instrument à cordes frotté par une roue en bois au lieu d'un archet. Voilà. Super. Donc c'est les, ça me disait quelque chose, voilà, mais les gens qui déconnent, qu'est-ce que tu veux? Enfin, là c'est par élimination et franchement faut le savoir quand même. Allez, ce chargement express, les mecs ils disent. S'il y a bien un truc qui va vite dans le jeu, c'est ça. Ils se foutent de la gueule du monde, je les revois toutes les 20 minutes, les mecs, qu'est-ce qu'ils foutent avec les putains de forages? C'est le pire chauffeur de l'histoire, ce connard. La religion officielle de l'Angleterre est. On devrait le faire souffler dans le ballon avant. Avant de lui enfiler les caisses, putain. Le gallicanisme. L'anglicanisme. La religion officielle de l'Angleterre. La réponse est C. L'anglicanisme. Vous paraissez très sûr de votre réponse. Toutes mes félicitations. Bravo, parce que j'aurais pas su. Hein. Ah ouais ? L'anglicanisme, mec, je. What the fuck, quoi, ouais, d'accord. Oui. C'est une branche de la chrétienté qui est spécifique aux Anglais parce qu'ils font jamais pareil que les autres, ils conduisent à gauche, etc. Et donc. Ça, c'était technique, ça, quand même. Bien concentré, car la prochaine question. Là, on est sur un mauvais pattern, déjà avec. Découvrons-la ensemble. Ah, c'est avec les question deux questions, attends, c'était quoi la vielle ? La vielle, ouais.
Ah, les Écarioquia. Voilà. Lima. C'est Rio de Janeiro. Brasilia. Tu le sais comme ça? Quito. Ouais. Allez, c'est validé. Putain, je le savais pas du tout. Ah, savez-vous danser la carioca? Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Exactement. Et ça vient de Rio, d'accord, ok. Bah, tu vois, je t'ai donné la bonne réponse avant, et comme je t'ai dit peut-être dans une vidéo précédente, on forme une belle perte. Les carioca, tu vois, on apprend des choses sur la vielle. De répondre, et vous avez eu bien raison, puisque vous gagnez 24 000 euros. 24 000, ok, impeccable. Bon, maintenant, de toute façon, je dis pas que ça se passe bien, parce qu'à chaque fois, généralement, c'est là où les caisses... Ah, putain, c'est horrible, quand même. Vous avez maintenant 24 000 euros. Bien sûr... Et je pense que les VOD sont digestes pour les viewers. Avec 24 000 euros, c'est pas de problème. Y a pas de problème. C'est découpé en 50 parties. Voir Jean-Pierre Foucault avec un camion se retourner, ça doit être à peine, ça doit être à peine tiltant. Là, franchement, heureusement qu'on est deux, parce que tout seul, là, ça aurait été vraiment à chier. Sainte-Rita, Sainte-Jeanne, Sainte-Lucie, Sainte-Anna, Sainte-Rita. Ouais. Eh ben c'est peut-être Sainte-Rita qu'il nous faut invoquer. Ouais, j'avoue. Parce que là, c'est quasi... Attends, mais j'espère que je dis pas de la merde, mais je suis quasiment sûr. Toi, t'as aucune idée de ça? J'aurais dit ça aussi, mais... Ouais, mais je suis quasiment sûr aussi. C'est là que j'avais galéré comme un porc tout vous à l'heure. Vous étiez à la tête de 24 000 euros. Ou alors c'était plus loin. Maintenant... à la tête de 40 000 euros. Félicitations. Parce qu'en fait, t'as pas trop d'arbres. Ah ouais. Bon, bah là, c'est cool. Vous venez de gagner 72 000 euros. Là, normalement, ça passe. Eh, mais ce jeu a une durée de vie quand même, j'ose pas imaginer. Là. C'est un truc de psychopathe. Non, c'est une durée de mort. Là. C'est pas la même chose. Hein. Et je crois que sur le test de JV, il disait quoi, 50 heures? Mais vous plaisantez ou quoi? Beaucoup plus que ça, je pense. Hein. 50 heures, c'est rien du tout là, pour finir à 100% le jeu. Ou alors peut-être en multi, tu vois, éventuellement, c'est plus simple. Eh oui, parce qu'on peut aller s'aider avec les camions. Voilà, admettons, tu vois. Alors, tout en solo à 100%. Putain. Je crois que c'est les 5,25, mais je suis pas sûr. Il me semble que la ligne a 3 points. En tout cas, je suis quasiment sûr qu'elle est plus loin NBA qu'en France. Mais alors comme ça, j'irai 5,25. Moi. Putain, j'ai la honte sur moi si c'est pas ça. Vraiment là-dessus, j'ai aucune putain d'idée. Ah, ça passe crème, là, cool. Je le valide. J'ai envie de le valider. Ouais. Je me dis, de toute façon, il faut maintenir une pression constante. Allez. Dans vous auriez pu nous quitter avec 72 000 euros. Oula. J'espère que vous n'allez pas trop regretter votre décision. Puisque ce n'est pas la bonne réponse. Putain, mais c'est 6,25. Vous partez avec 48 000 euros. Bravo. Mais je sens que vous auriez pu aller jusqu'au bout. Alors, bon, allez, même si je me chie plus loin. Voir, au moins, t'auras avancé, c'est ça. Qui veut gagner des millions. Putain. On va amorcer la descente. En vote un succès, c'est décrocher. Hein? What? Décrocher le sablier. Attends, je vous joue quand même parce que. Décrocher le sablier, décrocher le panier. Moi je dirais décrocher le panier. Décrocher le coquetier. Hein? Alors, je connais pas ce. Le panier aussi? Je connais pas cette expression, mais ouais, décrocher le panier. C'est un joueur de vielle qui. Merde, c'est pas ça! Mais vous m'avez donné une mauvaise réponse. C'était le coquetier? Et vous nous quittez déjà. What? J'ai jamais. Mais c'est quoi ça? De ma vie, entendu ça et je pense qu'il y a personne qui l'a jamais entendu. C'était plus dur que la question à 1 million tout à l'heure, je suis désolé. Et que vous ferez de mieux dans une prochaine partie de Qui veut gagner des millions. C'est là que tu t'es renversé. Ah, c'était là, je crois. Putain, je vais te mettre le mauvais œil de si en faisant ça. Alors, prends le poliment, là. Tu peux pas amener ta roue droite, là, dans la trace extérieure, là? Je sais pas. Est-ce que je ferais... Ouais, bah, là, je sais pas trop, hein. En vrai... Soit j'essaie de... Ouais. Ah, je sais pas, putain, franchement. Quelle tension. C'est tellement le merdier. 15 questions, 1 million d'euros. Ouais, dans les deux cas, ça j'ai l'impression que ça va se renverser. Là. Le coup de fil à un ami. Non, non, ah, t'es bien, t'es là. Bien là, t'es bien. Vous connaissez ouais, super. Ouais, nickel. Alors, attends, il y a le deuxième vierge. Première quand même. Question pour 200 euros. Allez, on est à côté de la maison là. À côté de la maison. La dernière on te ramène à la maison, mon bébé. Là, mais surtout que là, on est tellement loin de l'arrivée. En plus, oui. Et t'es à mi-carburant, hein.
Moi, je suis en train de fail en chaîne à 3000 balles. C'est tranquillement, il n'y a pas de problème. 1500 euros. Après, il y a peut-être une contredanse. C'est une amende. Une contravention, une rêve partie, une bagarre. Là, t'es obligé de taper la station là qui est à droite. Non, mais ça va le faire. Je vais enlever la WD là, quand même. S'il s'agit de la bonne réponse, faut pas trop ralentir, faut que tu fasses une seule accélération. Tu fais quoi? Tu prends la remorque ou tu vas petit à petit là? Ouais, je la prendrai bien, hein, franchement. Tu tentes le super moite-moite? Vous avez gagné 1500 euros. Cette somme vous appartient et vous repartirez de toute façon. Putain, je peux plus me l'avoir, cette route. Vaut 3000 euros. Alors. Les navires chargés des transports commerciaux font partie de la marine marchande. Alors tu l'as acheté dans quel sens cette fois? Marchand. C'est bon, elle est dans le bon sens. Ouais. Négociant. Nice. Colporteuse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'était une question à 3000 euros que vous empochez. Qui est là? Alors là, c'est à droite, c'est ça? Tu dois faire un droite-gauche. Oh! Putain, chaque virage est une épreuve à partir de maintenant. Pour le moment, tout se passe bien. Oh non, ça vous. Bon, putain. Je vous souhaite la même réussite. Ouais, je t'avais dit ce passage, il est relou, mais on va voir comment ça se passe avec ce camion. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein d'arbres. Pour l'instant. Ouais. En général, quand je passais par là, par contre, je coupais à gauche. Ça me paraissait un peu moins relou. Et vu qu'on a un poteau et tout, ça le fait, tu vois. Alors, un fait d'un seul bloc de pierre est un monolithe. Vous n'avez pas de regrets? Ok, donc là, est-ce que c'est votre dernier mot? Ah putain, il y a un petit arbre. Vos gains s'élevaient à 3000 euros. Et vous venez à l'instant de doubler cette somme, vous remportez 6 millions. C'est vrai qu'on on y pense, t'as des mecs qui font vraiment ça, quoi, qui font des convois de l'espace avec des camions et des grosses charges, quoi. Ouais, attention, quoi. Pour le moment, putain, vous avez pas aller chercher le poteau là-bas. Là. Je vais faire comme tout à l'heure, je pense. On va lever la remorque et puis on va la tracter avec le train. En cuisine, quelle soupe est une spécialité italienne? Voilà. Le minestrone, ouais, c'est ça, le gazpacho, le goulash. Mais c'est facile ça, les gars, tranquille. Bon, quoi que, ouais. C'est votre dernier mot. Borge, c'est russe. C'est très très bon. 6000 euros. Je crois que j'en ai jamais mangé. Tu fais le grand tour finalement. Ah, attends, j'espère que je suis pas trop loin. Non, c'est bon. T'avances en tirant. Vous venez de remporter 12 000 euros. Si vous ouais, tu as même pas besoin de l'alter la remorque. C'était pas loin. C'était pas loin. Dit-il, tu sais. En fait, c'est facile. Ah bah, aviateur, ça. Médecin. Ouais, tu vois, niveau carburant, c'est large. Aviateur. Alors, est-ce que ça coupe le fil là ou ça défonce au final là. Tu détaches là? Ah non, je l'ai mise, ouais. C'est un aviateur. Attends, je mets la réponse. D. C'est votre là, t'as complètement roulé sur le panneau, plus rien à foutre. Ouais. Ah, mais nice. Donc, en fait, là, t'es à la station-service, c'est ça? Ouais. Et alors, il faut passer. Non, tout droit, c'est bon. Ouais, je regardais la distance. Grand aviateur, toujours. Bon, bah, merveilleux ça. Vous aviez 12 000 euros. En fait, t'avais raison. Et vous gagnez maintenant 24 000 euros. Ah ouais, putain, je suis cassé en deux là, au secours. Elle t'a détruit. Et surtout que la route est quand même... Ah putain, en plus là... Derrière, ça devient costaud en plus. Enfin, en fait, c'est juste qu'on va devoir rouler dans la flotte, mais... Tu laisses la remorque dans l'axe. Tu fais tout avec la remorque. Ouais, ça passe. Il y a juste à aller là. Who's that girl? Ah bah c'est ce que j'ai dans la vidéo, bah c'est Madonna. Madonna... C'est votre dernier mot? Ah oui, il n'y a pas de système de pognon pour ça. Donc là, de toute façon, c'est toi qui décides. Oui, c'est toujours Madonna. Vous étiez à la tête de 24 000 euros et vous êtes maintenant à la tête de 48 000 euros. Félicitations. Très attaché.
Alors là, la flotte. Putain, enfin on voit autre chose quoi. Ouais, la vache. Que ce bourbier horrible. Vous êtes déjà à la tête de 48 000 euros. Vous jouez maintenant pour 72 000 euros. Ouais, c'est normalement ça roule pas trop mal. Et surtout que là t'as la suspension surélevée là. Ouais. Alors la remorque les a peut-être pas. Genre c'est un vrai chemin ça. Ouais, what the fuck quoi. Une pochade. Tu roules dans l'eau ou qu'est-ce qui se passe non? Un impromptu. Une rocade. Ah peut-être un impromptu. Un impromptu ouais. Ouais. C'est une esquisse, c'est un dessin au crayon, je pense. Ou une escroquerie. À voir. Ça dépend. C'est comment. Vous avez tenté les 72 000 euros et vous devez vous contenter de 48 000 puisque ce n'est pas la bonne réponse. Oh non, c'est une pochade. Waouh. On y est. La déception. Vous repartez tout de même avec 48 000 euros. Ah, t'es sérieux, putain. Putain. Toutes mes félicitations. Prends 3 la dilettante là. On est là, je suis tellement là avec toi. Il faut prendre à droite là. Non, alors on continue, ouais. tranquille. Putain, déçu pour Jean-Pierre là, non? Ouais, non, ouais, franchement, là, c'est. Là, il est là l'achievement, hein. Il est ici. Après, impromptu, c'est peut-être plus un truc de musique, genre impromptu numéro 4, ça me parle un peu, tu vois, pour une œuvre. Mais encore une fois, vu qu'on dit crotte sur crotte, ouais, c'est un moment où on est plus sûr de rien. Ouais, arrêtez de se mentir, on débute. Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. On pourra pas avoir les deux jeux aux petits oignons dans la même vidéo. Fort, brouillard. En fait, ça passe partout. Quel méchant à gauche là. Qu'il est méchant. Patrice Lafont qui mettait des gifles à Passepartout. C'était une formalité. Rip. C'est pourquoi. Rip la boule, hein. Ah oui, il était mort. Ouais, je crois qu'il est mort la boule. La personne qui est la garde d'un immeuble est... Ah putain, c'est vrai que c'est des questions de l'enfer là en plus. La concierge. Bon bah on y est presque, hein, bah, finalement. La sentinelle. Facile. La partie remorque... En fait c'était le début. Tranquille, hein. En fait. Réponse B. Putain. C'est votre dernier mot. Heureusement que t'as porté tes couilles et que t'as pris la remorque avec. Hein. Ouais. Il aurait fallu tout faire. Putain, là on est quasiment arrivé. C'est merveilleux. Et c'est la bonne réponse. Vous gagnez 300 euros. Voilà. La terre promise. Troisième putain, ils vont le forer, bien, j'espère. Lequel de ces mots ne désigne pas une chaussure d'intérieur? Chausson, mule. Allez, clac, clac. Yes. 4400. C'est rien du tout. C'est pas mal par rapport à d'autres missions. Ah franchement, ouais, c'est pas trop mal. Putain, l'enfer. Bon, c'est juste le... C'est moins que le prix de la grue, mais. Je prends, hein, je t'as prends. T'as tout investi, genre les pneus, la grue. Alors l'expérience, donc là je suis au niveau 6. Aïe. Alors niveau 6, j'ai peut-être débloqué des pneus ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, les pneus, je crois que c'est que avec les niveaux apparemment. Parce qu'on va checker. Ça se récupère pas sur la map. Sorti à gare. Absolument 500 euros. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ouais, on écoute, finit Jean-Pierre quand même. On finit Jean-Pierre, je pense qu'il faut rester, poli. Bien sûr. Alors, est-ce qu'en attendant, j'ai un autre truc hyper simple à faire, mais genre vraiment une broutille. Aller au bout de la rue. Bon, écoute, ça commence. Vous avez raison, et vous remportez 800 euros. Je t'embête pas pour l'instant. Comment c'est donc, on met avec un peu loin. Est-ce qu'il y a vraiment une mission facile sur ce jeu? On dirait pas. Avec au moins. Alors le ciment, en plus, c'est là-bas, j'y suis jamais allé. Putain, mais mec, cette map, elle est. En plus, elle a l'air c'est vraiment plus dure que le reste. Ouais. Désigne une salade. Machette. Et tu veux pas retourner sur le. Ouais, c'est marrant parce que ouais, j'ai fait la troisième zone. Il y en a peut-être encore d'autres d'ailleurs. Non, je crois qu'il y a que 4 zones par. Il y a 4 zones par map, si j'ai bien. Attends, attention, on peut le voir ici. Ouais, il y en a 4. Ah bah là, il y en a que 3, d'accord. 4-4-3. Et donc, ouais, j'ai fait toute la map d'une seule traite. Hein. J'ai pas été bloqué à un seul moment sur l'autre zone, alors que là, c'est la misère totale. Quoi. Ah, là, que là, la partie sud, c'est l'enfer. Hein. Mais tu. Hey, attends, mais. Ouais. Je. Là, la plateforme pétrolière, là, c'est la mission que t'arrives pas. Ça va être terrible. Mais t'as vu le virage, comme ça, là? Impossible, franchement, c'est quoi ce délire, quoi? Genre, tu n'arriveras jamais. Ah, mais là, et je sais même pas ce qui pourrait être. Enfin, même avec un meilleur camion, ce sera chaud dans tous les cas. Alors, de l'œuvre est une rétrospective. Et présentant l'ensemble, je sais que la bonne réponse est C.
Ah, c'est un cul, ça, Jean-Pierre. Moi, je valide des missions sur. C'était une question. Tu dois vérifier. Ah, bah là, c'est dans le coin, là, mais il y en a beaucoup, c'est chiant. Il y en a 4. C'est beaucoup trop pour moi, ça. Et scout recommandé, en plus. Bon, bah, c'est un truc à faire en mode poseille. Ça doit être de la. La main dans le slope. Bah, oui, bah parce après, que là, t'as pas besoin de transporter, là. Ouais, donc à la limite, bah, si ça veut dire que. Ça veut dire que c'est tranquille, tu ouais, vois. Ouais, mais tu repars de. Et la question suivante, vous. Bon, vas-y, à la rigueur, on coupe, hein, au pire. Attends. Une bastide est une maison de campagne provençale. Alsacienne. D. Bretonne. Je crois qu'on commence à avoir fait le tour de ce putain de jeu. Provençal. Donc, ouais, livrer conteneur de fret, ça. Selon vous, la bonne réponse est D. Il me taquine le jeu. Là, ça a l'air horrible. Hein. Donc. D'arriver au milieu de ces deux trucs. Bah, là c'est easy en vrai. Non, mais au milieu des deux, là, tu sais pas ce que c'est là. Si ça se trouve, c'est l'enfer du cul. Hein. Ah, ouah, quoi, attends, c'est juste là quoi. 3000 euros, là, j'ai juste à. Je me re-TP au garage. Clac, je mets ça au port quoi. Soit ça, soit les lignes de tension que je. À la limite, je connais pas le coin des lignes de tension. Donc. Je te laisse décider, hein, franchement. Je sais pas. 8ème question. Bon, on fait voyage en terre inconnue. 12 000 euros. Ouais. Okay. Les lignes de tension. Allez. La ville d'Édimbourg est la capitale. Là, c'est cadeau. Ah bah oui, là, c'est cadeau pour les viewers. Allez, Écosse. Non, je parlais de la. Là, c'est la mission supplémentaire. Ah, c'est vraiment la petite sucrerie, le bonbon. Édimbourg, donc c'est l'Écosse. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Bon, content en tout cas d'avoir torché cette merde. Tu ne t'épais pas au scout ? Vous aviez 6 000 euros. Bah, tu l'as fait avec celui-là ? Bah, je suis à côté, je vais pas reprendre le scout pour aller là, tu vois. Puis au final, on sait jamais, peut-être qu'ils vont nous queneler avec des parcours hors-piste. C'est vrai que finalement, le scout, pas tant efficace que ça quand on t'avait voulu étroyer le. Mais en plus, le. Ouais, mais. Épisode 3, hein, oui, complètement inutile. Et puis, non, mais en vrai, le scout, même pour explorer, tu sais jamais si ça va être un chemin pourri ou pas. Donc, dans un texte, quand tu dois aller à des tours de guet et tout, bah, tu sais pas à quoi t'attendre. Souvent, elles sont dans des endroits pourris. Donc, faut faire du hors-piste. Et je préfère quand même avoir mon camion tout terrain pour ça, quoi. Donc, non, mais machine à tout faire, j'aime bien. Vous pensez que la et puis, il y a plus de carburant, on est tranquille. Ah oui, bon. On chill, hein. C'est confère, on est d'accord. CF est l'abréviation de. Confere. Alors. C'est du latin, non? Oui, c'est ça, je pense. Allez, on envoie, et puis merde, bah oui. Et puis on a foutre. Achève-nous, Jean-Pierre. 24 000 euros. Oh non sont en attends, jeu. Mais. Là, tu fais, t'es pas du tout dessus, là. Il faut aller dans la pampa, là. Alors, par où faut passer, ouais. Oh l'enfer, il faut passer à droite, là. Là, à droite, là, regarde, là. Ici, et bifurquer à gauche, putain, après. Ouais. Oh non, c'est l'enfer. Ah, je te le dis, on la fait pas, parce qu'il va falloir que vous allez retourner. Non, j'avoue. Bien sûr. Bon, j'ai plutôt lancé l'autre qui était tranquille là. Je repars avec 24 000 euros, c'est votre droit. Mais la question que voici peut vous rapporter. Donc, c'était quoi ? Je sais plus, alors c'était une tâche. En bureautique, les produits qu'il faut renouveler fréquemment sont les. Ah, et putain, il faut la grue et tout. Oh les gars, vous me saoulez là. Non, mais on va au bout. On va au bout de la run tranquille. Et là, pour l'instant, on fait des roues et des tours avec le camion. Ouais. Tu fais mumuse. Donc faut juste que je me foute la grue de merde. Alors en bureautique, les produits qu'il faut renouveler. Bah, consommables. Mais pourquoi en bureautique ? Vous pensez qu'il s'agit de la réponse ? Alors pourquoi particulièrement en bureautique ? Bah, je sais pas moi, tu me poses des questions. Là, non, mais parce c'est que c'est la question, cette c'est tout. Question ouais. Vous non, mais je ne sais pas. Palier, enfin, c'est valable pour beaucoup d'autres choses quoi. Bonne réponse vous garantit à présent 48 000 euros minimum. Oui, mais c'est vrai que c'est. C'est un terme qu'on associe souvent à ça, ouais. Oui, consommable de bureau. Ah, 48 000 avec le cadeau. Attends, il reste combien de jokers là ? J'ai pas trop suivi du coup. Ah, j'ai pas utilisé. Là, ça fait. Je pense que ça fait 3 runs qu'on n'a pas utilisé un joker. Bah, propre. Allez, le million. Vous êtes. Pour finir en beauté cette série. Vous jouez maintenant pour 60 plein phare, on arrive sur la route. C'est une sacrée somme. Voici la question. Priorité à droite, on repassera. Le site archéologique de Luxor est mondialement célèbre pour son magnifique. Sphinx. Phare. Temple. Ah non, attends, temple. On l'avait déjà eu avec, c'est temple. Avec F. Ça. Temple. C'est validé. Ouais. Luxor, c'est dans le pays, donc c'est certainement pas le phare. Quoique, j'ai de la merde peut-être. Vous aviez déjà 48 000 euros. J'ai rien dit. Et c'est la bonne réponse, 72 000 euros. Bon, il y a déjà la route tracée, ok.
Ah, ça peut le faire, mon gars. Ce serait magnifique. On peut même peut-être être synchrone avec le ex-Runner. T'as pris la glue quand même, on sait jamais. Bah regarde, j'y suis. Ah ouais, tiens, ouais. Question à 100 000 euros. Effectivement, ouais. c'est dans le pays et bien dans le pays. À la pêche en rivière, un cordon est... Oh merde, putain. Une ligne de fond. Ah, ça c'est impossible, on n'en sait rien, les gars. Chasse, pêche et tradition, là, vous nous emmerdez avec ces questions. J'ai envie de dire une ligne de fond, moi. Je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Ça sonne bien, je trouve, cordeau, ligne de fond. Oui, clairement. Là, je pense qu'il faut pas prendre de risque quand même. Attends, mais tu peux pas passer en fait là. Alors, c'est quoi ce merdier? Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste encore vos trois jokers. Les trois jokers? C'est vrai que c'est un peu touffu là. Hein. Voilà, j'ai déjà fait des trucs de l'enfer comme ça en pleine forêt, ça peut quand même passer. Est-ce que je nique la game? Ouais, franchement. Et je tente ou. Ah, ce serait dommage de perdre là, franchement. Ah, allez. Donc, là, qu'un joker. Allez, public. De toute façon, c'est dans le public après, il est vraiment dans les champs. Attends, ah, mais c'est des conteneurs de fou! Oh là! Ah merde, vache. Oui! Du coup, tu peux en prendre qu'un, c'est ça? Et encore, ça rentre là-dessus là? Mais en plus, qu'est-ce qu'ils foutent dans l'eau là? Qui les a laissés là? Genre, les mecs sont bourrasses. Ah, c'est les Ruskov. Hein. Ah non, c'est Alaska, donc non, c'est les Ricains. Que la bonne réponse. Aïe. Ah putain, c'était une ligne de fond, j'aurais dû faire confiance. T'as la range là? Ah oui. Non, bah non. Tu vas être obligé d'aller dans l'eau là. Ah, quel enfer. Mais du coup, c'est pas une mission rapide. Alors, celle-là, quelque chose me dit qu'on en verra pas le bout. Ouais. Est-ce que c'est votre déjà, si j'arrive à en mettre un sur le plateau, on est content. Hein. Parce que là, on va retourner le camion juste en essayant de la soulever en fait. Attends, est-ce que là, oui. C'est bon. Vous auriez pu nous quitter avec 72 000 euros. Putain, j'aurais dû faire confiance. De continuer, puisque j'ai toujours eu un feeling avec la pêche. Alors. Putain, vraiment. Ok. Alors. Raccourcis le fil, ouais, peut-être. J'essaye, ouais. Nice. Okay. En vrai, ça tient, c'est solide, hein, quand même, le contrepoids du. Si vous répondez. Et Camtar. Ah ouais, c'est tricky, voilà, parce que là je dois faire droit pour mettre la, ouais, le truc la comme ça. Donc nice, hein. En vrai, c'est bien ce que tu nous fais. Hein. En France, quel couturier. Est-ce que ça passe vraiment? Brutage Simulator. Putain, t'es magnifique. C'est super, là. Hein. Prends des coups et tout. Beau maîtrise boss. De grue, comment ça se passe? Nice. Empilé. Quel couturier qu'on suit. Allez, prêt à porter. Ah, content. Attends. Ouais. Putain, ça pareil, je crois qu'on l'a eu avec F et je crois que c'est Pierre Cardin. Ah non, Pierre Cardin. Non, j'ai aucune idée. Alors, moi, j'aurais dit ça comme ça. Allez, tu l'as eu avec F, je te fais confiance. C'est votre dernier mot. Quelle est cette compagnie de merde qui a laissé là? C'est ça, Saber. Attends, je vais initialiser Grue peut-être. Voilà. Ah, je suis pas peu fier là de mon petit. Petit grutage là. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Yes. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait. Bien joué, Pierre Cardin. Alors là, t'as la double réussite en si peu de temps. Les ça, étoiles, bon. Les étoiles s'alignent. C'est quoi le truc là que tu as lancé déjà De quoi la vidéo de merde là, avec la meuf. Ah non, mais moi j'assume pas. Non, c'est. Kevin, les étoiles, je sais pas quoi là. Non, qui est des paillettes dans la vie, putain. Ouais. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Une astreg. Bonne réponse d'un million d'euros. Catastrophe. Et donc, il faut amener ça au port d'Amsterdam. Au port qui n'est pas tout à fait à côté, mais bon. Tout droit sur la route. Fait chier quand même, putain, j'aurais su que ça faisait cette taille-là, les bordels. Oh là, je me serais arrangé autrement. Mais c'est quoi ces mots-là? Non, mais en vrai. Oh lolo. Bon, bah, on appelle Mikey. On utilise une herminette, un j'appelle un sarclois. Vous avez décidé de vous filer un adulte. Je vous rappelle que rien ne vous oblige. J'ai jamais entendu déjà un de ces quatre mots. Je dirais un cerclore ou une pertuisane. Je dirais réponse A, B, C ou D. C'est ça. Allô, médical, appareil. Putain, c'était qui ça? C'est Jean-Pierre Foucault pour qui veut gagner des millions. Bonsoir. Je te reconnais, Mélissa. Tu es l'ami de beaucoup de candidats tout de même, j'ai l'impression, moi. Voici la question et les quatre réponses proposées.
Laquelle est la bonne, Mélissa? Au jardin, pour débarrasser une allée de ces mauvaises herbes, on utilise une herbinette, un sarcloir, une pierre un limon noir. En vrai, elle est assez chill, en fait, une fois que t'as chargé le camion. Mon mari, le spécialiste du jardinage, d'après ce que je l'ai déjà entendu dire, je dirais qu'on utilise un sarcloir, mais j'en suis pas sûr. Putain, j'aurais dit ça de base, hein, franchement. Donc, Mélissa, ouais, vas-y, franchement, tu l'avais lu. Ouais, ça sonne bien, ça sonne le truc qui racle. Ouais, c'est ça. C'est votre dernier mot. Vous venez de prendre un très gros risque sur cette question. Vous auriez pu repartir avec 150 000 euros, mais c'est bon. Vous avez fait preuve de beaucoup d'audace et vous en êtes maintenant bien récompensé. Les 300 000 euros sont Dernière question, là. Allez, ça pourrait être super. Hein. La livraison de la... Bon, la mission ne sera pas terminée, mais... C'est vrai. Alors, faut vraiment qu'on mette beaucoup de temps à réfléchir sur la dernière. Hein. Alors... Il nous reste quoi, un 50-50, là? Un 50-50. 300 000 euros. Ça peut être dur. Hein. Mais déjà, on a 50% de chance de réussite. Ce qui est énorme, finalement. Mais comme ce qui nous est arrivé la dernière fois, en fait. Là, tu te renverses comme un con. Sauf qu'on n'a pas l'appel. Ah, mais il n'est pas fixé, le truc. Il a bougé. Il n'est plus dans l'axe. Ah, bah ouais, oui. Effectivement. Ah, la vache. Ah, tiens, en plus, il est ultra chill. Gros tuyau. Mais c'est pour prendre des trucs, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ça va pas me refaire le même coup que dans la vidéo 2, là. Ah. Ouais. Si, regarde, parce qu'il met jaune comme si tu l'avais pas chargé le cas. Ah, ouais. Alors, est-ce qu'il faut vraiment l'attacher? Voilà. Pourtant, j'ai fait empiler tout à l'heure. Hein. Nique sa mère à un moment donné. Il faut que tu recules, peut-être? Ah, c'est non, bon c'est ça. Donc on a la confirmation que, effectivement, dans la première vidéo qu'on a tournée, là, c'est parce que si je n'avais pas attaché le truc que ça ne passait pas. Vous pouvez partir sans répondre. Si vous vous trompez, la Carmagnole était un champ, mais aussi le nom donné à... Donc très exactement putain. 252 000 euros. Je le savais. Ah ouais? Je l'ai lu dans un livre d'histoire, putain. Je l'ai lu dans un bouquin. Alors attends, je vais essayer de deviner, et on va voir si ça reste au 50-50. Je vais essayer de me souvenir. Ça marche. Ouais, en vrai, je pense que je peux... Pour moi, c'est peut-être un pantalon. Vous pouvez, je vous le rappelle, utiliser à tout moment votre dernier... Oh putain, il a glitché. Jean-Pierre Foucault qui glitch. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Pétain. Merde. Ah merde, alors là on est marron. La réponse A et D ont disparu. Là, on est vraiment marron. Putain, non, ma mémoire me fait défaut. Quel suspense! Mouchoir rouge, ça dit quelque chose. Ouais, franchement, je vais pas te mentir. J'aurais dit un pantalon comme ça, mais. Voilà, le fait que ça disparaisse. Je sais pas pourquoi je l'ai dit. Un mouchoir. Un mouchoir rouge. Côté symbolique de la couleur rouge, on ne sait pas. Ah ouais. La tension. Est à son compte. Carmagnole. Mais bien sûr, Jean-Pierre. Prenez votre temps. Putain. Je fais toujours semblant de réfléchir. Ouais. Pour la vidéo, c'est dans un souci d'entertainment. Après, c'est un peu long pour un mouchoir, non, Carmagnole. Pour toi, vu que c'est un mouchoir, c'est un petit objet, c'est d'accord. Ah non, assez court, quoi, finalement. Bah, ça sonne quand même mieux pour une veste, mais bon. Après, nique la logique, hein, quelque part. Surtout sur un million. Ouais. Ça sert à rien de faire des raisonnements alambiqués pour... Ouais, mais c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui nous reste. Allez. Putain, mais là, que de contenu, hein. Que de contenu dans cette vidéo. Ah, c'est hein. Assez fou. Ah, c'est... Là, je pense que... Ah, ce serait une véritable déception de pas avoir le million. Ah, ouais, là, ce serait terrible. Mais après, finalement, réussir la mission, c'est un peu... C'est beau c'est aussi. Un peu votre million à vous. Hein. Vous c'est ça. Sans répondre. Alors là, 48 000 euros, incroyable du cul. Très exactement 252 000 euros. Putain. Ah, ce qui est bien, c'est que t'as laissé des traces, donc au moins. Ouais. Hop. Ah, ça passe easy ici. Au secours. Alors, est-ce que je vais arriver à mettre le conteneur? Ah merde. Si vous vous sentez un nouveau chemin, euros, allez hop, ça c'est pour Greenpeace. T'as répondu là? Non, j'attends toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je mette le conteneur avant? Et je veux que tu charges le conteneur avec succès.
allez, là, on avait dit que ça passait comme ça. Ouais, tu vas pas... Mais heureusement, parce que vraiment, si vous imaginez s'il fallait mettre pile poil, là. Merde. Ah merde. Non. Récupère le riz. Diable. Et ça, de toute façon, il se remet... Ah non, non, il se remet pas droit direct. Non, ici, quand même, ça va. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'espère que c'est pas de la porcelaine, en tout cas, parce que sinon, c'est pas... Là, c'est les déménageurs bretons, là. Voilà, si je pense que tu lâches, ça doit être bon. Ok, petit oblique. Ah, ouais, nice. Ok. Putain de merde, hein. Et c'est reparti en avant l'aventure. Et le jour va pas tarder à se lever aussi pour nous dans la vraie ville, hein. Putain. Bon, qu'est-ce qu'on répond, putain? Tu veux qu'on réponde pile poil quand j'arrive pour mettre la caisse? Ah bah oui, bien caisse. Sûr. Allez. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que on fait tout pour vous, là. Là, c'est du grand spectacle, quelque part. C'est du grand spectacle. Là, c'est le concert de Jean-Michel Jarre à la Défense en 2000. Il y a les sons, les lumières, il y a tout. Hein. Là, on se régale. Hein. Ah, quel pied! Quel pied! Ah, putain. Il fait bientôt aussi jour dans le jeu que... Putain. Que... C'est chaud. C'était quoi, du coup, là? C'est l'épisode 6, c'est ça? C'est l'épisode 6, ouais. Et donc, la cinquième vidéo qu'on fait ce soir. Exactement. Oula. Je me suis embarqué par l'inertie, là. Et c'est marrant, et c'est toi qui klaxonne à chaque fois. Ouais, mais parce qu'en fait, tu cliques sur le stick gauche, tu vois. Ah ouais. En plus, il y a un petit délai entre le moment où tu, tu appuies et que le mec fasse le mouvement. Ouais, voilà, tu bien vois. Sûr, évidemment. C'est le réalisme et plus soufflant, ouais. Vraiment. Et d'ailleurs, si tu retournes dans l'autre sens, il a normalement il a son nom en néon sur le pare-brise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Retourne le truc là, qu'on en finisse. Tu me demandes de rebondir sur des trucs aussi, hein. Ouais, c'est pas évident, ouais, hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? 5h33, putain, tout va bien. Tout se passe bien. Ah, on est endurant quand même là, franchement, on a fait une grosse session. Là. Putain, on y va. Là, ta ville est toujours sanglée, là. Ouais. Je sais pas pourquoi la dernière fois, c'était... Parce que, ouais, il faut le vouloir. Parce qu'il faut aller dans le menu et tout pour l'enlever. Alors, à moins que avec la partie Jean-Pierre, il y ait eu un couac. Un cuir, peut-être. Un cuir. Et qu'on s'est fait sonner les coquetiers. j'en peux plus. Putain, j'en peux plus. On s'est fait rouler dessus par le jeu. Alors, attends. Attention. Veste courte. Je sais pas, mec, putain. Veste courte. Carmagnole. Oui, t'as raison, ça sonne veste. Ouais. Ça sonne veste. Y'a pas de doute. Allez, on envoie. Allez, vas-y. En avant la musique. C'est parti. Non. Vous avez fait preuve de je valide. D'as en répondant à ces 15 questions. Mais souvenez-vous qu'ici. Non. Les bonnes réponses vous intéressent. Et ça tombe bien pour vous. Vous venez de remporter. Yes. Toutes mes félicitations. Comme quoi, la logique à deux balles, tu disais, tu vois. Bien sûr, ça sonnait veste. Ah yes, excellent. Putain, les mecs, c'est parfait, là. Putain, l'accomplissement d'une vie, hein. C'est parfait. Là, c'est ce qu'on appelle une arrivée. J'ai même pas vu combien j'ai gagné, par contre. Un million. Un million, bien sûr. Si seulement dans la monnaie du jeu. Si on pouvait transposer ça dans le jeu, ça serait pas mal. Ah yes. Ah, franchement, là, je suis content parce que la fin, elle est vraiment sympa. Ouais. Là, il y a une mission réussie, il y a le million. Là, c'est aux petits oignons. Et hein. Franchement, on fait tomber 2 millions sur la session. Ça, c'est beau. C'est propre, hein. C'est beau. Ah, on n'a jamais fait aussi bien lors d'une soirée après, Jean-Pierre. Ah, mais c'est Jean-Pierre qui signe le chèque, je l'avais même pas vu. J'avoue, c'est de sa fortune personnelle. Mais attends, il signe du... Regardez, 04-05-2020. J'avoue, ça prend en compte... Quelle diablerie. Alors après, 4-5. On est le 14, ouais. Quelle est cette... Pas loin, ceci. Mais... Ok. Ouais. Intéressant. Ah. Ouais. Et c'est un chèque qui n'a pas de numéro. Inquiétude. Ouais. Est-ce que ce serait pas un chèque en bois de Jean-Pierre Foucault? On ne sait pas. Enfin bon. Avec lui, il y a marqué le nom du jeu au-dessus, quoi. Ouais. La banque qui veut gagner des millions. Seconde édition.
Ah mais attends, il faut appuyer, non s'il y a le... Si tu veux mettre dans les scores. Ah ben bah, oui, oui. C'est important quand même. Bien sûr, pour être à jamais dans... Bah non, en fait, puisque c'est la... Ah si, c'est la mémoire du PC, donc ça va. C'est cool. Bravo. Bravo. Léa sont assez forts en général. Hein. Oui. Remarque. Et Patrick. Et Patrick qui s'est perdu. Patrick Laffont. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Ouais, ouais. Je sens que plus on va durer, là, plus ah, ça va être de la merde. Ça a été, là, on est crevé, on fait chaud, les gars. Ouais. Mais non, c'était bien sympa cette session. Hein. Vraiment, ouais. J'espère que vous avez kiffé. Ce concept double jeu. Ouais. Là, vous avez mangé hein, ouais. Du concept par transpalette. C'est le cas de le dire, par, plus ou moins. Par container, par, container voilà. Par caisse de forage. Par caisse de forage, ouais, par pièce détachée à la con. Non, mais en tout cas, au final, attends, on a fait quoi? Seulement 3 missions, tu veux on dire? On a fait 3 missions et 2 millions. C'est ça. En 75 heures de vidéo. C'est ça. Parce que vous, on va publier environ 6 heures de vidéo, mais en vrai, on a fait 600 heures de tournage, là. C'est... Ouais, non, en vrai, je sais pas, on a fait 5 vidéos. 5 vidéos. On a 2 heures, plus cette partie, je sais pas combien de dure, mais un petit moment, je pense. Ouais. Ah putain, on a 1 heure sur celle-ci, d'accord, ouais, ok. Ouais, bon, vous avez plus de 3 heures de vidéo, quoi. Eh ben, régalez-vous. Ouais. Régalez-vous, les gars. Bon, enfin, c'est déjà fait, pour le coup, vu que c'est la dernière. Ouais. Là, vous êtes repu, à mon avis, les camtars, c'est bon, vous avez eu votre dose. Une fois plus, j'y ai avec ça, là, peut-être que, voilà, s'il y a d'autres sessions, bah, ce sera sûrement quand je serai très loin dans le jeu. Peut-être en Russie, qui sait. Et voilà, que dire d'autre? Bah... On vous fait des bisous. Encore on vous embrasse bien fort, les gars. Merci à toi, c'est cool qu'on te revoie un petit peu sur la chaîne hein, depuis le temps. Bah ouais, c'est vrai, ça me fait toujours plaisir de venir c'est ici. Bah, ça faisait depuis la vidéo 600, je crois, hein, si j'ai pas de bêtises. C'est. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ça commence à dater, hein. On est sur du fin 2018 quand même. Ouais. On ne tourne pas tout le temps, il faudrait qu'on tourne plus souvent. C'est vrai. Là, on a été bien productif. Bref. Bah, des bisous. Salut, les gars. À la prochaine. Ciao.